Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evi Maoete. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Très heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette vidéo. Tout au long de celle-ci, nous parlerons de 5 choses à savoir pour apprendre beaucoup plus facilement la langue russe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Lâchez-moi plein de pouces bleus la famille, ça ne coûte rien. Laissez-moi un mot en commentaire. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bang bang. Première des choses est la connaissance, soit la maîtrise de sa langue de prédilection, c'est-à-dire ma langue à moi de prédilection, c'est le français. Vous devriez comprendre mieux votre langue de prédilection pour pouvoir traduire la langue russe en votre langue pour une meilleure compréhension. Certaines personnes qui parlent la langue anglaise, soit l'espagnol, auront cette facilité de traduire le russe en espagnol, soit en anglais, pour pouvoir mieux comprendre. Donc la première des choses est la connaissance, soit la maîtrise de sa langue de prédilection. On peut dire que cette langue va nous aider rien que pour la traduction. Parce que lorsqu'on traduit quelque chose, on doit être en même de comprendre ce qu'on traduit. La deuxième des choses, ce sont le base de la langue, c'est-à-dire le verbe, le sujet, le complément, certains mots qui peuvent vous faciliter la compréhension et qui peuvent vous aider dans votre démarche. Ayant compris le base de la langue, cela vous permettra maintenant à passer à la répétition. Ce sera la troisième des choses, à savoir la répétition englobe tout, c'est-à-dire la lecture, les exercices, le fait de s'exercer au fur et à mesure, cela vous aidera également à mieux parler la langue dans le temps. La quatrième des choses, c'est la curiosité. Et oui, vous avez bien entendu, la curiosité. Il faut être curieux pour mieux apprendre. Comme on le dit souvent, la curiosité tue, mais en ce moment-là, elle vous sauvera la mise. La curiosité, cela ne veut pas dire savoir tout de tout le monde. Non, la curiosité par rapport à la langue, c'est-à-dire connaître certains nouveaux mots, chercher à comprendre certaines choses de part d'autres personnes. C'est ça la curiosité. Vous procurez un dictionnaire, regardez des dessins animés, la télé, je ne sais pas moi. Procurez-vous en tout cas ces sentiments, ces désirs d'être vraiment à même de connaître la langue et de l'apprendre. Être curieux, cela veut dire faire également de recherches, avoir cette flamme intérieure qui vous pousse réellement à apprendre cette langue que la langue russe. Sur cette note, nous passons à la dernière chose. La dernière chose est simplement le dialogue. C'est comme une maison, on commence d'abord par la fondation, on élève le mur, tout ce que vous voulez. Et maintenant, c'est la toiture. La toiture, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est très, très important. Il va vous falloir briser la glace pour être en contact avec beaucoup de personnes qui vous aideront à leur tour à mieux apprendre la langue tout en communiquant. Si vous êtes une personne timide, dépassez ses limites pour être en contact avec les gens. La communication, c'est tout ce qu'il y a de plus normal parce que le peuple russe, c'est un peuple bien ouvert. Il aime apprendre plein de choses de personnes qui les entourent. C'est un point qui est positif. Ça te permettra à toi qui veux réellement apprendre la langue russe dans le temps et aussi rapidement. Je pense que je fais le tour. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et elle vous aidera. Donc voilà la famille. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleus. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper de prochaines vidéos. Moi, c'est Evi Maoete et je vous dis ciao, ciao, ciao la famille.